C'est quoi un cric? Vas-y, Il est monte-moi. là, mon cric, t'es mort. Oh. Ah ouais, Bien, bien, joyeux. bien. Oh Maman, bordel. Bonjour, bonjour les enfants, ouais, bonjour petit, les allez, enfants. Avec ton professeur. Allez, Momo, dépêche-toi. Comment allez-vous, les enfants? Aujourd'hui, c'est un grand jour, les enfants, vous savez, c'est un grand jour. Hein? Il faut pas faire les sonnettes là, faut pas faire les sonnettes. Oh maman, je vais te taper. Oh, casse-toi, Momo. Vous savez, les enfants, aujourd'hui c'est un grand jour, les enfants. Hein. Il faut faire attention, il faut réviser. Momo, arrête de faire le con. Il faut réviser. J'arrête, monsieur. Allez, Momo, on va dormir aujourd'hui. Je m'avais dit, je vais te taper déjà là quand tu commences. Bon, allez, maintenant, faut te réveiller, Momo. Et t'es solide aujourd'hui, Momo. Tu as mangé des céréales ce matin ou quoi? Tombez, Momo. Madame l'infirmière, faut que vous massiez mon sgeg. Ouais, bah, je crois que t'as craqué là. T'as bouti ou n'a rien. Vous voulez que je tape encore un petit coup sur Momo? Ouais, allez, Momo, en examen. Allez. Ouais. Et Momo, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? T'as mangé le lion ou quoi? Comment ça se fait t'es solide comme ça aujourd'hui? Ah, mais vous savez, hein, je me suis entraîné à force, vous me tapiez. Voilà, hein, je deviens résistant. Tu deviens comme la pierre. Il y a Iblis dans son corps. Et ouais. Bon, écoute, Momo, faut aller à l'examen là, tout le monde est pas. Tout le monde t'attend là, le policier t'attend, le professeur là. Oh, ouais, mais j'ai pas trop envie d'y aller aux examens, vous voyez, vous pouvez pas me mettre avant sur moi, vous voyez, on s'arrange, t'as vu, je te vends du shit. On fait un truc comme ça. Un bouti, pousser, Momo, ouais. Il faut y aller à sa place. Non, non, Momo, il faut qu'il aille à l'examen. Dépêche-toi, Momo, tu vas avoir du zéro partout sinon. Ah, mais je suis tout seul. Bah oui, c'est un examen, c'est normal. Bah, c'est tout sympa. Hein. Ouais, mais comment je vais faire pour copier sur mon voisin, moi? Vous êtes sérieux? Bah, tu copies sur personne, allez, maintenant faut assumer. Wesh, ouais, mais j'étais pas prêt pour ça par contre, hein. C'était pas dans le contrat, ça. Ah hein. Bah. Si, si, c'était dans le contrat. Et je suis dans la merde, mon frère. Bon, allez, assis-toi. Je m'assois où, monsieur? Ça va, t'as 5 questions hein, auxquelles répondre et. Une mise en situation. Ah, d'accord. C'est chaud, moi j'ai pas trop révisé, vous voyez, je comptais sur mes camarades pour m'aider, je sais pas trop si je vais pouvoir vous répondre. Ah ouais, mais bon. T'es prêt? Ouais. On va y aller avec la première question. Facile. Alors, que veut dire le code 10-4? KitKat? Bah ça c'est des gâteaux. Non, 10-4. Ah, 10-4. Bah ça veut dire 14, monsieur. Non. Bon, plus sérieusement, que veut dire le code 10-4? 10-4, 10-4. Pas moi, c'est pas monsieur 10-4. Oh là là. Attendez, laissez-moi réfléchir. Attendez, on a le droit à combien de chances? J'ai le droit d'appeler. Dépêchez-vous. Non, vous avez pas le droit d'appeler un témoin, vous avez pas le droit au 50-50. Oh putain, fais chier. On n'est pas dans qui veut gagner des millions ici. Putain, vas-y, j'ai même pas le droit à l'avis du public, tout ça, rien, non? Non, vous avez pas le droit à l'avis du public. Ah merde. Après, je pense pas que les chaises vont vous répondre pour un chose. Ouais, mais si je vous demande à vous, si vous êtes le public, ouais, vous avez... Moi, je suis pas partie du public, moi, je suis partie du jury. Ah oui, c'est vrai. Alors, 10-4, oh putain, celle-là, je me souviens plus. 10-4, 10-4, attendez. Ok, bon attendez. Bah... Attendez, on va trouver, attendez. Non, j'ai pas... Vous avez un temps limité. Ah, fais chier, putain. Bon, ensuite. Ça commence mal. Que veut dire le code 10-24? Eh, vous foutez de ma gueule. Bah, non. 10-24, wesh, mais... Eh, mais moi je sais pas, gros, je suis pas mathématicien. 10-24, ça fait 44, non? Ah non, ça fait 34. Ouais, 34, voilà. Non, mais Momo, j'en ai marre, là, tu vois. Mais je sais pas, monsieur, vous me demandez, vous me faites des maths, on est en cours de police, wesh, arrêtez avec vos codes. Justement, wesh. Dans la police, on utilise des codes. J'imagine que vous n'avez pas suivi tous les cours, vu que... Oh, mais ça c'est de la pour faute des surveillants, à force de me mettre en call, à force de me mettre en call, bah tout voilà, le temps, bah, et bah, moi je peux pas con suivre les aussi, cours. Bobo, hein, donc... Bon, non, mais ça, c'est du coup, ça fait deux questions sans réponse, déjà. 10-24, mais je sais pas, wesh, c'est quoi les codes, en fait? Vous pouvez pas me les apprendre et après on fait les questions? On peut pas faire comme ça? Ah bah non. Oh, fait chier. Sinon, ce serait trop facile. Ensuite, pourquoi les agents de police ont un numéro? Par exemple, moi, mon numéro, c'est Capitaine 24. Pourquoi est-ce qu'on a justement ce chiffre, 24? Bah, c'est pour vous appeler, vous avez vu? Moi, j'ai un numéro de téléphone. Ça me permet d'envoyer des messages à ma mère qu'elle m'appelle. Oh là là. Vous voyez, ça sert à ça. Non, c'est pas ça? Mon Dieu. Bon.
Mais du coup, vous faites comme ça, vous faites là, à... Là, c'est désastreux, là, Bobo. Vous faites à, avec votre téléphone, hop, petit me... vous avez un petit message, vous envoyez à, je sais pas, votre collègue, c'est le numéro, c'est 0623, je sais pas quoi, et ben voilà. Non, 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 un numéro. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis capitaine 24. Pourquoi 24? Et à quoi ça sert, justement? Ah non, vous êtes pas capitaine 24, vous êtes capitaine Cade. Vous appelez Kate, pas 24, monsieur. Vous êtes trompé, là. Oui, mais justement, justement. Voilà. J'ai un prénom, un nom, tout le monde. Mais ouais. Quand je suis en service, on m'appelle 24 dans la radio. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que vous êtes... Ah. Vous êtes le code 10-24. C'est pour ça, en fait. Bon, on va passer à la prochaine question, parce que... Mais c'est alors, ça, en fait. Quels sont les... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh putain, vas-y, je suis en train de tout foirer, ouais. Bon. Quels sont les trois codes lumineux utilisables sur des véhicules de police? Ah, je sais, c'est 10-4 et 10-24. Et vous aussi, parce que vous êtes 10-24, du coup. Oh putain. Bon, très bien. Franchement, c'est excellent. Ah, merci, c'est gentil. Ensuite, une mise en situation. Il y a une prise d'otage, d'accord? Donc, il y a une personne armée d'une calache qui a deux otages. Vous êtes chargé de négocier. Qu'est-ce que vous allez dire au ravisseur? Ce que je fais, je lui dis, écoute-moi bien, gros fils de pute, si tu veux pas, je te mets une balle dans la tête, tu lâches les otages et... Ok, très bien. Voilà. Ok. Je crois que je vais créer une nouvelle brigade dans la police, ça va s'appeler la brigade du bled et t'en seras le chef, d'accord? Ah ouais, je veux bien, après si je suis bien payé, y a pas de soucis, hein. Ouais, tu seras payé 2$ la minute, donc au final tu seras bien payé. Ah, c'est pas mal, ouais, 2$ la minute, ouais, ça bon, va. Allez, lève-toi et booste, là. Du coup, j'ai réussi mon examen, là, ou pas? Oh putain, tu verras bien. Bon, du coup, va avec Igor. D'accord. Et moi, je prends un ping-pong. Allez, t'es parti. Ah, bonjour, monsieur Vin Diesel. Vas-y, rentre, Mohamed. Allez, rentre. C'est le metagaming. Tu vas d'abord me dire ce que c'est, celui-là. Metagaming. C'est pas trop, monsieur. Ah, bah, l'avis du public. Je peux avoir l'avis du directeur? Pardon. Après, vous les envoyez là-haut. Ah, monsieur le directeur, c'est quoi le metagaming, s'il vous plaît? J'ai besoin de savoir. Metagaming, c'est qu'on sert de quelque chose qu'on a pris pas en ville. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Bah, c'est quand on sert de quelque chose que... Oh, le petit con, il m'a couillonné. Oh, beauté. Qu'on n'a pas vu en ville. Ça reste à zéro. Vous inquiétez pas, ça reste déjà à zéro. Ah, attention, monsieur. Ouais, monsieur, arrêtez. Ouais, tu m'as encore couillonné, Momo. J'en ai marre, man. Vous inquiétez pas, il a les autres questions. Donc, il a déjà eu à zéro. Vous inquiétez pas. Il m'a encore bien eu. Du coup, Mohamed, le Power Gaming. Un Power Gaming, je sais pas, ouais, c'est quand... Ouais, c'est quand tu joues à la Play, t'as vu, et genre t'es en mode, t'es en fire, t'as vu, genre sur Fortnite, t'enchaînes les top 1, t'es en mode Power Gaming, t'as vu. Il commence, non? C'est pas ça? Non plus. Le Fritas. C'est pas des chewing-gums, comme les Fridans? Zéro. C'est pas ça, Fritas? Oh merde. Le Free Kill. Free Kill. Bah alors c'est eux les chewing-gums. Ah, c'est très mauvais. Bon, lève-toi. Je vais t'amener, je vais essayer de t'amener à la prochaine classe. Allez, viens. C'est trop bien. Ah, salut, ouais, bâtonnet, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, poteau? Ouais, tranquille. La misère, les petits là. Ça va, je vais avoir mon diplôme. Diplôme. Ouais, moi aussi, t'inquiète. J'ai eu 2 sur 10 pour l'instant. J'ai eu 2 sur 10, je suis un beau gosse, t'as vu? Bah moi ils m'ont même pas donné de résultats. Ouais, je vous amène mon mot. Ah ouais. Ah bah tu vas voir. Eh hey, franchement, et c'est grave dur les questions de monsieur. Ah ouais, fallait pas donner les résultats. Oh, je suis résultats. Attends, je vais te souffler une réponse. Tu vois, si monsieur Luigi te demande. C'est pas grave, c'est pas grave. Donnez pas les résultats, on est tout monnaie. Ok, Esimer, gros, t'es grave gentil, Esimer. T'inquiète, je m'en souviendrai, je m'en souviendrai. Sauf-moi des réponses, frère. Tais-toi, tu viens d'être. Ah, bonjour, Vin Diesel. Cassez vos modèles de merde. Oublie pas, le crime. Voilà. Few moments later. Momo, le dernier, hein.
Tout le monde a fini sauf toi, Momo. T'es complètement à la ramasse. Ouais, il me casse la tête déjà ce moment avec sa petite tête là. Qu'est-ce t'as toi avec ta grosse tête là? C'est bon, wesh. Et elle est où ta tenue là? Elle est chez ta mère. Trop marrant. Bref, c'est maintenant que tu veux te engager en tant que mécanicien, parce que même de toute façon, je sais même que tu finiras par mécanicien. Comment tu comptes t'y prendre? Je sais pas. Ça a commencé. Putain, là, mais t'as. Non, ça a pas commencé, on est en train de compter les vaches. Putain, mais t'as foutu quoi dans mon cours là? Ça fait une semaine que je donne des cours comme ça là. Bah, vous me mettez toujours en colle aussi, normal, je sais pas répondre. Mais c'est parce que t'as pas de cerveau que t'as là en colle, c'est pour ça. Bref, c'est quoi un cric? Ah, ça, il m'a dit poil de carotte. Attendez, je vais vous montrer c'est quoi un cric. Vas-y, mon. Il est là mon cric, Théma. Là, c'est le mien, t'as vu? Il charge bien. Oh. Il soulève bien, t'as vu? Bref. Wesh, pourquoi vous m'avez frappé? Pourquoi vous m'avez frappé? Ferme ta bouche, parce que je. Ferme ta bouche, j'ai frappé, mais. Non, je commence à avoir marre. Je sais pas, c'est poil de carotte, il m'a dit c'était ça la réponse. Vous allez doubler, et à cause de vous, je vais vous avoir encore dans mon cours l'année prochaine, et ça me casse la tête. Rien d'y penser, je me suis suicidé. Monsieur Luigi, on dit pas doubler, on dit redoubler. Hein. Oh, arrêtez, wesh! Voilà. Vous êtes sérieux là, me mettre des pêches comme ça, wesh? Vous êtes des ouf! Mais c'est que. Mais entre le directeur et vous là, c'est bon, wesh, arrêtez là un peu! Ah ben, reste tranquille là. Maintenant tu vas venir près de moi là et je vais te montrer les outils. Je vais te citer les outils et tu vas me dire c'est le marteau. Le marteau, il est là. Ça sert à quoi le marteau? Le marteau, ça sert à marteler. Marteler qui? À ta tête! Ah! Oh! Voilà, et ça c'est le but. 1, 2, 3, vive l'Algérie, tu connais? Bref. Du coup, tu te relèves, j'ai pas fini mes questions. Bon, le tournevis. Le tournevis. Il est là, wesh. D'accord, allez, c'est bon, 0 sur 20, allez hop, on y va. C'était pas ça? Wesh! Allez, viens, j'ai pas que ça à peur. Oh, tu bouges ton cul. Vous êtes sérieux? Et c'est quoi cette discrimination? Pourquoi vous mettez 0 cash? Ouais. De toute façon, je vais te le dire bien clair et net, hein. Peut-être personne ne te l'a dit, aucun prof te l'a dit, mais de toute façon, dans tous les cas, toi plus tard, je vais te dire ce que tu vas faire, tu vas finir en prison, t'as compris? Donc du coup, tu me fais pas ouais, perdre mon temps. Allez, hop, vous êtes sérieux, vous dites ça? C'est encourageant, comme merci. Hein. Mais tu vas finir clodo, ça sert à quoi? Tu crois que tu vas devenir médecin? Mais vas-y, mais nique ta mère, voilà, arrête de parler comme ça, fils de pute. Attends, je vais t'apprendre un peu, là. Gros bâtard, va. Oh, attends que je me relève, attends que je me relève. T'es mort. Kate. J'ai pas compris. Alors, on ouvre moins maintenant sa gueule? Wesh, libérez-moi, vous êtes sérieux? Ferme ta bouche. En même temps, vous faites trop le malin, monsieur Luigi. Normal, je vous sèche un moment, je vous remets à votre place là parce que. Qu'est-ce que tu vas sécher? Faites trop le gars. Few moments later. Alors, ça va être des questions assez simples hein, vu que vous n'avez pas eu beaucoup de cours de médecine cette semaine. Ouais, d'accord. Donc, voilà, ce sera des questions relativement simples. Voilà. Donc, vous avez le métier d'ambulancier urgentiste. Voilà. Donc, vous êtes officiellement ambulancier urgentiste. Vous êtes non, dans un restaurant. Je suis que élève, monsieur. Je suis pas ambulancier. Non, mais vous mettez dans la peau. Voilà. Imaginez-vous, vous êtes urgentiste. Dans la voilà. peau, ça veut dire quoi ça? Genre, je le mets dans ma peau, mais je suis pas un extraterrestre, wesh. Non. Comment vous expliquer ça? Faites comme si c'était un jeu, en fait. Vous jouez de temps en temps au gendarme et au voleur, ce genre de choses, non? Ah, d'accord, ok, ouais, je vois, genre je suis quelqu'un d'autre. Voilà, vous faites l'ambulancier, ok? Ah, d'accord, ok, ouais, je vois, j'ai compris. Voilà. Donc là, vous êtes au restaurant, en train de manger et tout, avec vos amis et tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a votre ami d'en face qui s'étouffe avec un morceau de viande. Qu'est-ce que vous faites? C'est qui mon ami d'en face? C'est qui? Oh, peu importe qui c'est un ami, voilà, c'est un ami à vous, peu importe qui c'est. C'est une meuf ou c'est un gars? Parce que si c'est une meuf, t'inquiète même pas que je sors mon sgeg et t'inquiète pas, on fait des petits trucs avec. Non, mais soyez sérieux 30 secondes, s'il vous plaît. Ah non, mais dites-moi, vous me dites un ami, ça peut être une meuf ou un gars, je sais pas. Ouais, on s'en fout du sexe, monsieur, on s'en fout que c'est Bah non, ça joue beaucoup, monsieur. Si c'est un gars, j'en ai rien à foutre, mon frère. Si c'est une meuf, par contre, là, on peut faire quelque chose. Ah donc, vous êtes
Vous êtes urgentiste, vous n'avez rien à foutre, ok. Ouais. Ah ouais, c'est la réponse que j'entendais, mais bon. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais ça, là. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Peu importe que ce soit un garçon, une fille, un enfant, un vieux, une vieille, enfin voilà, quoi. Ouais, j'appelle les secours. Oui, mais vous êtes secouriste vous-même, donc ce serait un peu bête d'appeler les secours. Ah bah, je m'appelle moi-même, alors. Allez, Momo, faites un petit effort. Je fais « Maman, 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 maman !» Et du coup, bah, après, je fais « Ouais, y'a quoi ?» Et après, bah, du coup, bah, je fais « Ouais, il y a un mec qui est en train de s'étouffer et tout, là, il faut l'aider. » Et je fais « Ouais, bah, par contre, je sais pas comment on fait. » Et du coup, il fait « Ah, bah, ok, bah, y'a pas de souci. » Et du coup, bah, salut. Et sinon, tu veux du shit? Ah ouais, pourquoi pas? Ah bah, vas-y, donne. C'est pas ça? C'est pas ça du tout, mais bon, je dois vous avouer que vous me faites assez rire, mais c'est... Bon, une question relativement simple, enfin, du moins j'espère. Oui, dites-moi. Une personne se coupe, et ça saigne abondamment. Donc, ça saigne par jet, là, à fond. Ah ouais, genre qu'est-ce que vous faites pour la soigner ? C'est une fontaine, le truc. Voilà, on peut dire ça comme ça, il s'est coupé, je sais pas, une artère, on va dire, voilà. Une artère, ça saigne bien, ça, vous voyez. Je lui mets un doigt dans le cul. Non, sauf si vous tournez dans un film porno, mais sinon, non, c'est pas... Non, mais parce que moi, la dernière fois, il y a Poil de Carotte, il est tombé au sol, et je lui mets un doigt dans le cul, et bah ça l'a tout de suite, il est tout de suite remonté direct sur ses chevaux, et il est reparti. Non, allez, soyez un petit peu sérieux, 30 secondes, et dites-moi ce que vous faites. Sérieusement, en réfléchissant juste 30 secondes. D'accord, alors, la personne saigne... Bah, ce que je fais, c'est que je prends un briquet et je crame la plaie. Comme ça, ça saigne plus. C'est une méthode un peu barbare, mais effectivement... Ou sinon, je coupe le bras. Je coupe le bras. Ou l'endroit où c'est sectionné. Ouais. Prends un bon cutter et hop. Comme ça saigne plus. Par contre, votre méthode de brûler la plaie, comme vous dites... oui, effectivement. Vous savez comment ça s'appelle, ce terme ? Bah, ça s'appelle brûler la plaie, non ? Non, allez, je vais vous dire le mot. Ça s'appelle cautériser. Mais ça, il faut un cutter, non ? Pour cautériser, non ? C'est pas... Non, vous êtes pas trompé. C'est cautériser. Cautériser. Ouais, c'est ça, cautériser. Comme le cutter. Les cutters, non, c'est pour couper. Comme la poule, cote-cote, vous voyez ? Ah bah alors, ça c'est pas pour les briquets, c'est pour les poules. C'est quand tu mets une poule sur la plaie. Non, mais c'est la prononciation, hein, monsieur Moore. Cautériser. Sur la plaie, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah ouais, mais vous dites cautériser. Mais comme la poule, elle fait cote-cote. Et bah du coup, bah c'est une poule qu'il faut mettre sur la plaie. C'est ça le mot cautériser, non ? Ah bah, vous êtes assez drôle, hein, mais c'est dommage que vous preniez cet examen un peu trop à la légère. Hein. Ah mais non, mais je fais de mon mieux, monsieur. Hein. Enfin bref, ce sera tout pour moi pour cet examen-ci. Bon, mais monsieur Momo, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ouais, bah merci. Et j'espère que vous passerez cette année avec succès. Ouais, bah j'espère aussi, hein. Parce que bon, c'est pas que je vous aime pas, mais bon, cette école, elle pue sa mère. Hein. Ça, c'est des sonnettes, ça, encore. Ah, désolé, j'avais pas vu. Attendez. Arrête tes sonnettes. Ah, désolé, arrête, j'avais pas conneries. Vu. Ah, désolé, j'avais pas vu. Oh, putain. Arrête tes conneries, frère. Ah, désolé, j'avais pas vu. Oh. Maman, je vais te taper sur toi. C'est bon, j'arrête, monsieur, j'arrête. Ah, c'est bien. Ouais. Oh. Maman, bordel. Oh. Maman, sois gentil avec tes camarades. Ouais, je suis désolé, pourquoi monsieur. Pourquoi tu fais ça, tes camarades? Moi, arrête de s'en remettre. Ah, mais les gars, arrête de se mettre de mal volant. Faites attention, wesh, les gars.